Mendi ya maji maponucho New York o leban na bla liji a bla le October ya me October August ya me oda snap ya penu wa na enye Christo to sike kogbogo gajitutu a na nya bena cho le July oda sine December leban na wa abade agoji le ti ade poti ome afine epia na wenu. Ce matin je voudrais te parler ou bien t'es au sujet des choses que tu dois attaquer tout en tarmant à partir de ce mois d'août jusqu'en décembre pour pouvoir rapporter toute victoire. Car si tu es vraiment disciple de Jésus-Christ régénéré, tu dois savoir comment attaquer, comment faire face à certaines situations pour ta victoire. Il y a quelque chose qu'on appelle sorcellerie. Vous devez comprendre que personne ne blague pour dire qu'il n'y a pas la sorcellerie. Et tu vas dans certaines contrées, les sorciers vont te prouver qu'ils existent. Ils sont là. Nena akpo le ka jo le wo o gbe nu le duwa me gbe du me vieux quelqu'un gbe du me vieux que ya ya vo de gohan o ki o ya vo de gbe le ora. Va dans certains villages, dans certaines fermes, tu verras comment les sorciers ont détruit, les sorciers ont saccagé même et certains fils et filles de ces contrées qui ont pu voyager dans les pays des blancs. Ces sorciers et sorcières les ont poursuivis pour nuire à leur destin là-bas. Ne Jésus Christ o gbe le roman to pa gbalen ta wa me bena nano liu ova dongonai ova kikame dongonai wawenye owe finafi o uname o blename onwame toma wawo liafi yeva eye ya yeva bade ya vagbe upe dona u ye anami agbe. Et rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit dans Jean chapitre 10 et qu'il y a certains qui l'ont précédé et qui sont venus sur cette terre avant lui. Et ces gens-là sont venus juste pour nous voler et nous égorger et nous détruire. Mais lui, maintenant, c'est maintenant qu'il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Il dit que c'est lui, il est le bon berger. Il est venu pour paître ses brebis. Tout mon enfant qui est sous la voix de ma parole par cette radio Bonne Nouvelle, es-tu la brebis de quelqu'un qui passe au bien de Jésus-Christ? Allez à toi. Voilà, le propriétaire de la brebis est différent de celui qui paie, de celui qui garde les brebis. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'aucun pasteur ne peut dire qu'il a fondé ou bien bâti une église. Toi, pasteur, tu n'as racheté, tu n'as sauvé personne. Il faut que tu comprennes que tu es en train de garder les brebis qui sont là. Propriété de quelqu'un d'autre. Disons la vérité, disons-nous la vérité, nous ne trompons pas les enfants. Fais-le connaître que celui qui les a sauvés, c'est la même personne qui t'a sauvé, et c'est cette personne-là qui te les a confiés pour que tu les gardes. C'est pas toi qui les a sauvés. C'est bien les ans ou bien le signe de cette personne, la marque de cette personne qui a le savoir de Saint-Esprit. L'esprit du pasteur ne demeure en aucun fidèle. C'est l'esprit de Jésus qui habite en nous. Voilà pourquoi il puisse nous appeler ses brebis. Voilà, et il dit qu'il est, que c'est lui qui a, c'est à lui qu'appartient toutes les brebis dans le monde entier. Église universelle, appelée église locale. C'est pourquoi nous avons l'église universelle et les églises locales. Et église comme il y a manière fille qui va pour église. Amen. Église signifie, veut dire, les rachetés, ceux qui sont sauvés, ce n'est pas les bâtisseurs, les temples, bien, les constructions dans lesquelles nous nous regroupons. On dit, il y a un peu, c'est singular et plural. On va pour pouvoir. Il y a un peu de temps.
considérer y de siade. Et c'est lui qui dit là où deux ou trois personnes se rassemblent, ça veut dire singulier comme pluriel dans la singularité comme dans la pluralité. Ces personnes s'assemblent en son nom. Lui-même, il est au milieu d'elles, de ces personnes. Il se promène au milieu d'elles et elle leur applique l'onction, les trois onctions, l'onction, l'onction de salut, l'onction de roi, l'onction de prêtre et l'onction de la prospérité et de succès avant qu'ils se séparent pour rentrer chez eux. Tous les premiers sommets, premiers jours de ce sacré sommet. Voilà, considérez il y a des siadements que d'autres des siadements. Il y a très bien, à même après me va voir. Voilà, ben me va voir là, me jac pour gommer les yaïramam. Mais voilà pourquoi il dit à celui qui est sa brebis de ne pas refuser de venir dans sa maison car s'il ne vient pas, il ne va jamais prendre cette bénédiction. Il va non ami après titi na yezona le mi après titi na yezi na mi yeyona mi. Il dit que lui-même il vient reste au milieu de nous, il marche au milieu de nous et il nous applique la fraîche onction. Il dit que lui-même il vient au milieu de nous, il marche au milieu de nous et il nous applique la fraîche onction. Et y a maula do a meke do grave vie ji job ti me vient maula do ho gbe do rata pena. Voilà pourquoi quelque part l'écriture dit quiconque s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe et cette personne qu'elle prie avec persistance, avec consistance, et Dieu qui entend les prières, il lui répondra. Et maula gbe de mi me nya be mi me ke khoji nya sia mi apo nguti na so tro su nya kho e nya ke nya gbogbo me va no na mi apo gbogbo agbo e me si na mi na mi kporo na mi. Et aussi Dieu a-t-il dit, et celui qui croit en moi, son corps devient ma maison, mon habitation dans laquelle j'habite. Et moi-même, je viens rester auprès de ton esprit pour vous, pour t'oindre, pour te conduire. Et attends, nous voulons de quelqu'un. Yesu dit que cela attend où il y a bébé image de Solomon. Nous voulons où il y a. Pour cela, le croyant de Jésus-Christ refuse, lorsqu'il refuse d'aller dans son assemblée, c'est tout un péché. Ne bête de quoi mais à Dieu d'autre. Tiens, badi matin à mouvoir. À moins que la personne soit malade, alité, il ne peut pas se déplacer. Ya, mais quand je suis mais quand les vaches qui ont les lames, quand les ta, mais les djomne la pierre madame. Mon épouse, à cause de sa santé, elle ne vient plus au culte dans l'assemblée et ce n'est pas du tout une joie pour elle. Plusieurs brebis du Seigneur sont restés à la maison à cause d'une quelconque maladie ou infirmité et ce n'est pas du tout une joie pour ces gens. Pour cela, je remercie Dieu pour la vie de ceux qui, chaque dimanche, il m'appelle que, oh papa, à cause de telle ou telle maladie, je suis resté allaité à la maison, mais c'est toi qui nous nourris spirituellement. Hé, hey, papa. Papa, j'ai pu rassembler mes dîmes, vous pouvez passer et le prendre. Les gens sont à la maison, ils reçoivent la parole de Dieu, les messages de Dieu. C'est pourquoi je suis prêt à dépenser du temps de l'argent pour cela avant d'aller dans mon ensemble. Tout c'était de vous, ce n'est pas la maladie qui est le problème, mais parce que vous n'avez pas l'argent 200 francs pour prendre le zémédian et aller dans ton assemblée. Je ne sais pas comment faire pour vous expliquer les choses. Vous êtes vraiment et très bas. Vous êtes très bas et très lent. En étude, j'ai compris qu'il y a une nette différence entre vos manières de faire et les manières de faire des Ghanais. Et également les Nigériens. You are very slow in the francophone countries. Yes, vous êtes très bas, très lent dans les pays francophones. That is the training you receive. C'est pas vous, mais c'est from those foolish French people. Quelqu'un me retrouve français et vous m'envoyez ma. Yeah, that's it. Your education is slow. It's very slow. From primary to university. It's very slow. And you cannot invent anything. You cannot invent anything. You are not an inventor. Yes, you are well educated in books. But you cannot express it outside. Evelia.
De we cannot create things. Ni matema créer nous. Yeah, you have gone to the place so you can create things, but you cannot, you are not doing it. Yes, ami de suku yo le bena suku ke media. Akpere nyanchi mi atema créer nous voir. Ni melo omo. Yeah, that's why things are not moving. It's not only the government. Aya tanu mala ji nyo me be jibu dwa de kwe o. No. In many countries, the civilians are blessed than the government. Yes, le tu ko kado o malwa, tu ko me view la. O ko na yairu suna yaira to jibu wanto ko. Give you an example. It just Benin, the civilians in Benin, they are more richer than the government. Yes, mi ko Benin, Benin yano view la. Mi makati fi ako. Tu ko me view la o. O kado unye kusino to jibu wanto. Nigeria is number one. Nigeria onye number one. The civilians in Nigeria, some of them are super rich more than the government. Yes, I learned Nigeria loa. Do come view to motor wade. Onya rotu to ganganga o jibu motor. They are businessmen. Onya ato dola. They don't want to become president. Omo ji ko gbere bo ya ba ni ju po la. Yeah, because that is not a what president cannot cause them to invent manufacture anything. Yes, I know be yan ye ju po la. Ma na be wate ma akriya manufacture na deko. So they are businessmen. Eya ta won to onya dola lo ru ko si. And they control the economy of the country. Eya tu ko abe kanyawa. And the government is taking taxes from them. You see, so they are rich. That is what many of the French countries have to alleviate themselves from. Yes, poverty originated by the French. They have to come out of it. Africa tuko yo ye français yo vous coloniser brand what chak papa what do do que dans le français yo vous propreter mais là white encore. Yeah. Your technology wisdom must go high. Yes, I live in Africa to go The people are very slow. Do come with you la o la ni mi aka o bo susu ya ni mi aka. They depend upon the government. O do on de chief wa chief o ka tama. The government depends upon the people. Ka bo wura chief do e la do de. Do come with you. The government of the people for the people and for the people. Voilà. The government of the people. Yes sir. For the people and to the people. Voilà. Do come with you ba chief do. Ba chief do la do come with you. No, this is my business. Yes, sir. Lumumba. Professor Lumumba. Yeah, he's speaking to the nations of Africa. Lumumba, ele nu funa Africa tuko. Yeah. Ele nu kompa president o. Ele nu kama esame. Me bona na America o. Africa le very 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 backward. But they are rich. But they are backward. Africa to quoi de all ultimate bumpon and get a move to Yabana or the to quo you see Christine on all a lebabble. They cannot manufacture things by themselves and they cannot invent by themselves. They cannot bring out the raw materials. They cannot bring it out to become a productive material. Yes. So they will be poor. So the white people will come and take your raw materials and go and manufacture the things and bring it back to you with exorbitant prices. Yes, so you'll be poor. Though you have the gold, you have the silver, you have all the things in Africa, you will be poor because you cannot create. You cannot create anything. You cannot manufacture anything. Africa tuko wo o matema krina de ko matema inventer de kako o matema tro tuma nu yo mauto na mi fata la ni gbambe tuma e yo lia mi matema de o de ko nu tete mo nesima mi a de o de ko atu wazu produit fini e mi hamia no sasan wazu ganemi wazu nune mi awo e ya ta nu le mi agbo fami nani le oji la no doye ye vu la o fana va lone o ve trone o zuna produit fini nu yo la ni o yo trone o zuna mi ma yan yo trone vana va senene mi galelele gahoti President Gedola Africa, Swiss Bank. Bien des présidents africains qui ont des comptes exorbitants dans les banques. No, money must not be placed in a bank. Money must be used. Yes, sir. Eh?
Oh, you have a currency. Yes, sir. Come on, bring it out. Mm-hmm. Use it. Trade investment. Akpam rebe eja de doreto. Jo gadem wa de nuato. Eye wa to si ayirana. Won talk play amegereo. Nwa wo mo yebo. Yo vo me dano pe gade bank ne ne ma. L'argent on ne le thésaurise pas en banque. O mo tona ga. Able guru ko dare bank wa no fi ono lodom. Ah o. O we la jenu nya de soupo bena de. Gade a joka me ya ko de. Nu ke ya ko ga ya ko wo. Yento alu ya ko na mede wa on a de benade ga wa jinati ye vo me chono pe ga dana de fausse mau non les blancs ne déposent pas leur argent dans les fausses sceptiques. Black man no I don't know what am yi bonye mon yebe susu au au fausse avalo ga kore me voilà il a wa climatiser de fausse am wa no wa no ya gbon ne ga is that sensible yes anu nu nya ba mu me fia ne ye vo ko mi kaka bo yo mi ba monkey ori ko mi ka mi le wonu abe monkey voilà les blancs quand ils nous appellent des singes effectivement c'est quoi nous nous comportons des singes gbogbo ke president de ke no Nigeria cha yo na ba abacha bo ga gbogbo ko lo ba ko de suicide ye vo ga gbogbo tro do over lo ye ko ye vo da o ga gbogbo tro ga ma do over na Nigeria to l'ancien président nigérien abacha il faut voir cette colossal somme d'argent qu'il avait déposé dans les banques suisses. Yeah. Et les blancs ont encore rapatrié. Et l'argent qui est dû à la famille Abacha, on le lui a donné. He stole more because the oil money is there. He stole more. Voilà, figa, pour bourrer la blanca, amibe galafima. L'argent du pétrole. And the Nigerians are suffering. Et les Nigériens tout le fuck. The few people in Nigeria, they are multimillionaires. Mm-hmm. Wa, amagubogo le Nigeria loa, onye millionaire, multimillionaire. Now listen to me. Dangote does not hide his secret. Yeah, Dangote maglana. Concerning his rich. Yeah, Dangote maglana. Yaba kesi no nyanyaba mungu. How? Amrovona. Iyana ki. Boya amrovona. Men lui il a peu de personnes. Onyaleko jago jago kuleleko vale jim. Parce que tout le monde sait comment il a commencé, comment il évolue aujourd'hui. Gofia, bien après tout Gofia, na merebe akpo yade. Ya defia be nye gato eh ola wo aket rencho kaka wonto ma konyo ja ja sila mais si you toko quelqu'un qui veut montrer pas des actions concrètes qu'il est riche pas en comme na be galamro si wo matan de to ola be no de to be wa wona ne wa enquête ala so parce que pourquoi certaines personnes ici au Togo ont de l'argent mais ils ne peuvent pas le prouver car si nous le montrons on va faire des enquêtes des investigations tout autour de pour les coffres à quelque part non a country cannot grow and come out from poverty just like that. Tu comment te mai nkwa tu kutwa ke dada mele no no momo. There's a spiritual poverty. Dogbo mo ba ke dada li. There's a physical poverty. Tu tion ba ke dada li. There is a mental poverty. Tu sumo ba ke dada li. And there's a what do you call financial poverty. Na ke ga ba ke dada li. And riches poverty. Eh ye ke sino no ha ba ke dada li. You are talking about poverty. Ni mu fukura ke dada wa. It's not only concerning money. You start from the spiritual. Then to the mental. Then to the body. Laziness is poverty. Christians are lazy. Pray for me. They don't want to do the prayer work. They don't want to do the fasting work. Mm. That is spiritual. Mm. They don't want to do the mental work. Mm-hmm. That is thinking. Mm-hmm. Thinking. Mm-hmm. They don't want to do the physical work. That is working. Mm-hmm. Oh, they don't want to do it. You are a gabato, Omachibo, you are a bombabato, Omachibo, you are a susumabato, you can so tomachibra, you are a antilamabato, can you assume do? They are very, 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 they are poor because their hand cannot work properly. Yes, sir, Utahelabana, Ubasu, Matima, they are poor that because they stay in the house thinking it is the president that will come and put food on their table. Utahelabu, Bobonilla, Pumla Tamabu, Usubena, Tupolavato, Akla, the president is not doing anything. He's not doing, he's doing something. He's doing something. The one he has allotted to do, he's doing it. Et si tu crois bien, vous croyez que le président fort, il va ordonner à l'armée de venir dans vos maisons pour vous donner de la nourriture, ça,
Je ne pense pas si cela pourrait. Le corona mais amego va manduna. Voilà, dans les années. Corona après gamme mais que au choc arrive maintenant. Dans les jours de corona, est-ce qu'on t'avait donné de l'argent? Ne tu comme même dunu ne quoi coufri. Si tu étais resté dans ta chambre, tu n'avais pas mangé, tu meurs. Mais après ce sous trop. Changez. Mais après chotio. Mais après ce sous trop. Changez votre mentalité. Ce n'est pas le fait d'aller dans vos assemblées. Maunet libéré ou les bagbo me peu prison. Puisse Dieu te libérer de la prison spirituelle. Maunet libéré tu les sous mes peu prison. Que tu te libères de la prison mentale. Maunet libéré tu on outil la cho et nous à couvia au homme. Que je libère ton corps enchaîné de la paresse. Eye na jibe ya dogo la ke dada okatame eye won gogbe na su ya ya. Et désir à sortir soit délivré de toutes sortes de pauvreté pour que tes jours à venir soient bénis. Ndi ya président Faure là va ko la pembe na church. Ce matin est-ce le président Faure qui viendra te chercher à la maison pour aller dans ton assemblée? Hein? Oui là il church là bas en yanu iketa en ya church peut vider. C'est toi qui iketa olebe na yiro. C'est toi qui dois aller dans ton assemblée car tu sais et le profit qui s'y trouve et ce pourquoi tu dois y aller. Le jinu ya me ko ire pia pe nu wa. Ma fion gbogbo de yoke na na blave vie vie to church jinu ya me. Dans ce mois jusqu'à la fin de l'année je vais apprendre certains esprits que tu dois lier bloquer surtout dans ce mois. Yesu be ye va be ya na mi agbe pe pa gbo soso. Ni ne pe nyamare ele do wo mle wa agbe me. Abe Yesu ji ko cela ine. Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie, nous la donner en abondance. Cette parole déclaration du Seigneur Jésus, est-ce qu'elle est effective dans ta vie en tant que croyant? Ogbe na o le church o me na agbe ne ko Yesu ji sey ne wo me. Yo de chita na o. Ni ne trust o fi alpo me pe via. Ogbe Est-ce qu'on t'a dit dans ton assemblée que le jour où tu as cru en Jésus, tu l'as confessé par ta bouche et tu étais baptisé? Est-ce qu'on t'a dit que tu es entré en combat? Est-ce qu'on t'a parlé de ces gens qui te combattent spirituellement afin que tu saches comment les connaître et comment les attaquer, comment et nuire à leur plan contre toi? Est-ce qu'on t'a dit que tu as des ennemis, des adversaires? Toi qui dis que tu as reçu Jésus, est-ce qu'on t'a dit que tu vas traverser des problèmes, des persécutions? Est-ce qu'on t'a dit que tes ennemis sont vraiment nombreux? Et pourtant le combat n'est pas mais c'est à Dieu le combat dont il enverra tes anges pour combattre ton combat. Est-ce que tu connais tes ennemis spirituels? As-tu jamais vu le sorcier de Visu? Cette personne dans la maison avec toi, elle est sorcière, mais est-ce que tu sais qu'elle est sorcière? Tu ne peux pas le savoir. Sais-tu qu'aujourd'hui, les maisons de Dieu sont remplies de sorciers? Dans Apocalypse chapitre 3, c'est Jésus mais qui a dit que les derniers jours avant qu'ils nous reviennent, les Jézabel, c'est-à-dire les femmes sorcières, les sorcières seront un grand nombre dans les églises. Jézabel veut dire sorcière. C'est elle qui avait beaucoup plus fait du mal au peuple Israël lorsqu'elle était l'épouse du roi Achab. C'est cette femme qui avait nui au peuple d'Israël. Mais il y avait un prophète de Dieu dans cette ville appelé Élie. Élie avait prié, Élie avait fait tout, mais c'était Et car les divinateurs, les magiciens et les féticheurs de cette femme étaient plus de 400. Et elle les utilisait. C'est pourquoi certains ministères d'Élie ne réussissaient pas. Yes, au finish, Élie les a défiés pour un combat de sacrifice. Et ils étaient David. Ces divinateurs étaient David. Ils ont dit qu'ils vont appeler le feu. Celui qui aura appelé du feu du ciel pour consommer son sacrifice, c'est son Dieu que nous allons suivre et adorer. Comme au cours de ma tournée au Togo, j'étais dans un village, je viens dans une contrée des Adja, et là, j'avais connu pas mal d'opposition. Amegbetore ikebe yenye pastor.
Un être humain disant qu'il est quelqu'un. Quelqu'un de l'homme ici a appelé le CB qui est dans cette localité d'Adja de m'empêcher d'organiser la croisade des Et le CB depuis son bureau m'a appelé. Qui ne peut jamais me permettre d'organiser la croisade d'évangélisation. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'est ça. Ok, merci. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et j'ai pris mon haut-parleur, je commençais à crier. Et les gens se sont rassemblés. Ils m'ont dit. Homme de Dieu, la pluie du ciel ne tombe plus dans nos champs, et nos produits sont complètement consumés sur les champs, et nous mourons même, et nous éprouvons la faim. Et ils m'ont dit qu'il y a des églises. Il y a des assemblées comme Pentecôte, Église des Assemblées de Dieu, tout ça. Je comprends maintenant que ce n'est pas une organisation, une association ou bien une bâtisse à quelque part qu'on appelle l'église. Quand je vais dans mon assemblée ce matin, ceux qui sont rassemblés que je vois, ce sont eux qui sont à l'église. Je ne vais pas m'adresser au temple et aux chaises. Ils m'ont défié pour me dire que si vraiment vous êtes un envoyé de Dieu, appelez la pluie du ciel pour que la pluie tombe là, nous saurons que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Et je leur ai demandé, est-ce le signe que vous demandez? Ok. On verra, tout ceci c'est Dieu qui m'a envoyé ou pas. Et j'ai levé mes mains. Et j'ai appelé les nuages. J'ai dit, nuages, rassemblez-vous. Je ne veux plus adresser des prières. I command created things. Yes, I have to command created things. And one of the created things that can bring rain is the cow. Yes, sir. J'ai commandé au nuages de l'est, de l'ouest, du nord au sud, rassemblez-vous, vous les nuages qui produisaient de la pluie. La population de cette localité voudrait savoir si c'est vraiment toi l'Éternel qui m'a envoyé. Monseigneur, envoie la plus passée nuage. J'ai oublié le nom de la. Ceux qui m'avaient accompagné. Voilà, je sais qu'il y avait des gens dans cette localité le jour-là avant que ce signe ne soit effectif. Ce n'est pas le lendemain qu'il a plu, hein. Le même jour, il a plu. Le même jour, il a plu au point que le chef du village et toute la population ont couru pour aller chez le CB pour le dire. C'est bientôt, Le CB même, il ne pouvait plus douter. Voilà, il avait envoyé la police pour nous garder, pour sécuriser. Ils ont vu le signe. Il avait bien plu. Et quand longtemps, il n'avait plus connu la police. C'est ça. Mais pour Elie, c'est le feu qu'il a demandé. Frères et sœurs en Christ. Le feu ne peut pas faire germer les semences. Le feu ne peut pas faire germer les produits. Mais c'est la pluie qui doit faire germer les semences. C'est pourquoi vous, les disciples, vous n'en veux pas besoin. En ces derniers jours, c'est plutôt la pluie. Demandez-moi la pluie, je vous en donnerai, je vous donnerai la pluie du printemps. The latter rain fall of the Holy Spirit. Yes, la grande. C'est la pluie de l'arrière, c'est ce qui te permettra d'avancer et de bien terminer l'année en beauté. Mais comprenez bien. Dans le royaume spirituel. Il y a certaines hiérarchies.
Et qui accompagne, soutiennent leurs agents sur la terre. Pour attaquer les enfants de Dieu afin que leur champ, leur commerce, leurs activités, leurs entreprises, les unités de production et leurs finances ne réussissent pas, ne prospèrent pas, pour que ces gens, ces enfants de Dieu demeurent dans la pauvreté, dans la faim, afin qu'ils quittent Dieu pour revenir à eux. Mais sont nous les Job unchi? Et instruisez-vous sur Job. Job m'attaque à Bosambéry. Je fais pas toto. Ta maune de poto toi d'ailleurs. Satan n'a pas attaqué Job parce que Job était un pécheur, un homme mauvais. Non. Mais plutôt Job, il était un homme intègre, un homme pieux. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Et c'est encore le même Dieu qui l'a protégé lui-même, ses enfants et ses bénédictions de son feu, de la muraille de son feu. Et Satan a dit à Dieu, Dieu, tu sais, ce Job-là, c'est toi qui l'as béni. Et ce n'est pas, c'est pourquoi il fait semblant de te craindre. Et tu l'as protégé lui-même, et c'est bien, de ta muraille de feu. Il suffit d'enlever la muraille de feu. Je vais toucher, je vais détruire, et c'est bien. Tu verras, Job va te ruiner et Job ne sera plus avec toi. Et dit Dieu, c'est toi qui l'as protégé, c'est pourquoi je n'arrive pas à toucher son esprit. Mais il faut que je touche à ses biens et à son corps. Mais je ne peux pas le faire si tu n'enlèves pas la protection. Je n'arrive pas à le faire quand je vais chez lui pour le punir. Je vois un feu qui le protège. Je sais que je suis feu car c'est toi l'Éternel Dieu qui m'a créé comme un ange de feu. Mais toi aussi tu es feu, tu es un feu dévorant et ton feu surpasse largement le mien. Je sais que c'est toi qui as protégé et Job et ses enfants et tous ses biens de la muraille de ton feu. C'est pourquoi quand je vais chez lui pour le toucher ou bien toucher ses enfants, ses biens, je suis empêché par la muraille de ton feu. La nuit de mercredi, parce que Dieu m'a délivré d'un grand accident. Autrement dit, ce matin, vous n'allez pas écouter ma voix. Mes pieds et mes bras seront complètement cassés. Il faut voir ce grand véhicule. Voilà, si les roues de cette voiture passent sur moi. Mais quand Dieu fait quelque chose pour moi, je le dis. La nuit de mercredi, Dieu m'a délivré d'un grand accident. J'étais arrivé à Accra. Pas sur la route. Voilà, à l'entrée de ma maison, j'allais descendre du véhicule pour uriner quelque chose s'est passé. Je ne continue plus. Si ce matin c'est moi-même qui sais que Dieu est Dieu avec moi. Je le sais moi-même. Sinon ce matin, je ne sais pas. Peut-être vous allez apprendre que je suis dans un hôpital. Qu'est-ce qui t'a dit que Dieu n'existe pas? Si Dieu te protège avec sa muraille de feu, Satan, quand on parle de bénédiction, c'est toujours de la chance. Vous les Togolais, vous pensez que Satan, quand on parle de la bénédiction, c'est l'argent, c'est pourquoi c'est une de vos autorités. La maison, c'est que la
égal est useless. Tu n'as pas la bonne santé et la vie, ton argent est inutile. Te voilà criblé de diabète et d'autres malédictions et d'autres maladies. Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas. J'ai dit à l'Éternel que s'il ne guérit pas mon épouse, qu'il soit sûr que soit il m'enlève de cette vie, ou bien je vais cesser de parler de lui. J'ai dit à l'Éternel qu'il prouve que c'est lui qui m'a choisi par, ou bien en guérissant mon épouse. Et s'il ne le fait pas, qu'il me fasse mourir, ou bien je vais cesser. C'est en cela que vous verrez Dieu. L'argent peut finir. Mais la vie et la santé sont d'une importance capitale. C'est malédiction. En plus de la longévité heureuse et paisible. Tu vis longtemps et tu végètes dans la malédiction, dans la pauvreté, c'est une grande malédiction. Brièvement, de ce mois d'août jusqu'en décembre, dans tout le monde entier, les esprits seront élevés, célébrés. Et cet esprit qui sera élevé, célébré le premier, avant de commencer les autres cérémonies sacrifices, on l'appelle la reine du ciel. C'est cet esprit et l'esprit du soleil qui opèrent ensemble. Et ce sont eux qui contrôlent les religions. Qu'on nous soubosoubo. Et l'une des grandes principautés et qui les soutient pour leurs activités s'appelle Apollyon. Et c'est pourquoi si dans les livres de Moïse, la parole de Dieu dit ne garde pas au milieu de toi la sorcière, il faut comprendre. Ne garde pas la sorcière, c'est-à-dire une femme douée de la sorcellerie. De même, les chiens, les nécromanciens, les divinateurs, Jokasalao, les enchanteurs, les féticheurs, les esprits de pauvreté, l'Éternel Dieu dit, les adorateurs de ces démons-là, il va les ôter, les enlever devant les enfants d'Israël avant de prendre le pays pour eux. Mais contre qui sont ceux qui contrôlent les divinateurs et les charlatans? Astaroth. C'est lui qu'on appelle la reine du ciel. Elle est là, existe depuis avant l'avènement de Jésus. Ce sont eux qui contrôlent les religions depuis Babel. Pas Nimrod et sa mère. Ce sont tous ces esprits qui se sont saisis de Nimrod et sa mère pour faire à soi implanter les religions depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Tiens, je vais t'en parler un peu ce matin à Béchateau. Vous n'avez pas du temps pour que nous puissions dépenser notre temps. C'est pas quoi les tables à voir avec qui il y a Exode chapitre 20 verset 17. Voilà. Et ne laisse pas vivre la femme sorcière ou bien la femme qui fait des fétiches. Ne permets pas que Jézabel triomphe du temps. Ne permettez pas les Jézabel d'être dans les cours des rois. Ne permettez pas Jézabel d'être dans vos assemblées. Ne permets pas d'avoir une femme Jézabel couchée, partagée le même lit. Ne laissez pas les Jézabel contrôler vos villages, vos fermes, vos quartiers. They are powerful in the kingdom of darkness. Nous sommes The devil fears
are rich. And the angel of rich is called Beelzebub. Beelzebub is powerful than the devil himself. Now God is there. But the Holy Spirit is powerful. Are you hearing me? So the power in the kingdom of darkness is Beelzebub, and the administration of Beelzebub is witchcraft. There are Beelzebubs in every family in Africa, in every world, in every place. Jesus said the devil Satan is the god of this world. Now what did Satan use to control people? Witchcraft. Witchcraft. So Beelzebub controls all families. He works with Apollyon. Astaroth. And Baal. You have to sit you people down. You Christians, you are just shouting, praying nonsensically, nonsensical prayers, shouting, clapping your hand nonsensically. You are not progressing. Nothing is happening in your life. Can't you think? Sit down and think. I am a member of this church. You are a fool. I call you a fool. I am your grandfather. I can call you a fool. Voyez l'état dans lequel vous êtes. Les écritures, les adeptes et des idoles de la rue du ciel vous demandent votre Dieu où est-il. Si Dieu n'existe pas, suis-je fou pour crier et témoigner du nom de quelque chose que je sais pertinemment que ces choses n'existent pas et ces choses ne peuvent rien fait de bien depuis longtemps jusqu'au jour. Tu m'as délivré de beaucoup de situations mauvaises. Mercredi passé, il m'a encore délivré. Si tu veux, viens voir les phares de mon véhicule. Un des phares de mon véhicule est brisé et cassé. Mais hier, j'ai encore conduit. Laisse ton enfant conduire. J'ai dit non. Il n'a jamais conduit pour aller. Quand même, je sens des douleurs. Si quelle année bena a un nom à agaou pour un autre outil à me condamner décembre et à gavard d'oubli balou la yame les 30 décembre de bonne année. Et à cause de ce sorcier sorcière et à cause de ces sacrifices, tu vas encore rester dans cet état de pauvreté jusqu'à la fin de l'année, crier bonne année, 31.